Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un système de lassage bloc-cordon. Avant de commencer, je voulais quand même faire un petit rappel concernant le stress que l'on peut ressentir en compétition. Le système que je vais vous présenter n'est pas forcément beaucoup plus rapide qu'un lassage classique. Simplement, lorsque l'on se trouve en compétition, avec les précipitations que l'on peut rencontrer, les nouveautés, les conditions extérieures, les encouragements et le stress d'avoir envie de faire toujours plus vite, on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux et simple lassage peut devenir compliqué. Avec la méthode, ou en tout cas le système bloc-cordon, le lassage devient beaucoup plus simple et par conséquent beaucoup moins stressant et plus rapide. Donc là, je vais vous faire en direct un petit système de bloc-cordon pour un lassage beaucoup plus rapide. C'est parti pour la démonstration. Pour commencer, il nous faut un petit peu de matériel. Une paire de ciseaux, un briquet et un bloc-cordon. Vous mettez votre pied dans votre chaussure. On retire le nœud simple. Et on met les deux lacets dans le bloc cordon. On vient serrer au maximum et là je préconise de placer en position ouverte le bloc cordon à la base du lassage. Donc je fais coulisser le bloc cordon jusqu'à la base du lassage. À partir de là, je peux commencer un premier nœud. Je ne serre pas trop fort, sinon ça risque de faire coulisser le bloc cordon. Ensuite, je fais un deuxième nœud, si possible dans le sens inverse du premier nœud. Je serre au maximum et là, on peut déjà voir un petit peu le système de bloc cordon. Ici, en position fermée, bien fermée, c'est serré. Et ensuite, ici, on continue les nœuds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lacets. Si vous avez un lacet très très long, la paire de ciseaux va vous permettre de raccourcir le lacet et avec le briquet. Un petit coup sur les extrémités du lacet permettra d'éviter que le lacet s'effiloche et que vous soyez obligé de changer le lacet. Voilà, c'est très simple. Le système de bloc cordon est en place sur votre chaussure. Plus besoin de faire de lacet. Il suffit d'appuyer simplement sur le bloc cordon. La chaussure s'ouvre. Vous pouvez retirer votre chaussure. Très rapidement, sur une transition de triathlon par exemple, la chaussure bien ouverte. Vous pouvez enfiler votre pied rapidement dans la chaussure et sans stress, vous tirez, vous faites coulisser et vous êtes prêt. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le système de lassage rapide bloc-cordon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao!